Bonjour, vous êtes avec MX Madi. Aujourd'hui, donc, on va faire des essais de moto électrique sur le terrain de trial de Chantenay. Alors aujourd'hui, on va voir donc la Talaria, la Chiron et la grande surprise, la Starkvark. À tout de suite. Allez, et c'est de la Star Wars.
lundi. Fred, des impressions? Ouais, cool. Plus lourd que l'ultra, mais ouais, c'est cool. C'est cool. Et par rapport à la thermique? Ça se rapproche du 4,5, mais faut s'habituer un peu. Ouais. Ça doit être un peu comme une KT, un peu, je dirais. En maniabilité, ça doit être un peu comme une KT. Le châssis, c'est ça, ouais. Le châssis, ouais. Comme une husky, un peu, je crois. Impression alors sur la Stargwarg? C'est super fun. Ouais, la différence, t'as déjà fait du cross en thermique? Ouais, j'ai fait un peu tout, cross, enduro, ouais, cross country. Et... au début, c'est un peu perturbant parce qu'on n'a pas relié moteur dans les tours, on sait pas où on est. Ouais. Mais au bout de deux tours, on prend un coup et c'est vrai que c'est vraiment fun, il n'y a pas de bruit. Les watts, ça vient plus vite. Et c'est assez grisant quand même, ça a essayé. Ouais, ouais. Bon, c'est cool. C'est top. Merci. Séance d'essai est terminée avec les motos électriques. J'espère que ça vous aura plu et fait découvrir de nouvelles motos différentes que des thermiques. Donc on avait donc la Talaria, on avait donc la Suron, l'Ultra B en essai que vous avez pu voir sur le terrain. Et celle est la plus renommée, la Stargwarg, enfin en essai et puis en Poitou-Charentes sur le terrain de trial à Champigny. Je vous remercie, c'était MX Madi.